Ah, c'est pas bon. Oui, bonjour. Alors, nous sommes dans l'émission C'est pas sérieux. Hein, l'émission C'est pas sérieux. Et aujourd'hui, nous allons étudier la question de l'autorité avec un professeur qui nous a donné rendez-vous ici. Bien sûr, il est en retard. Mais il va nous répondre à une question super importante. Alors, bonjour professeur, comment allez-vous? Non, c'est ici, professeur. La caméra n'a pas de main. Bonjour, monsieur. Voilà, moi c'est Fred, et vous? Je suis docteur Hochstatter. Docteur Hochstatter, alors, nous sommes venus vous poser une question ultra intéressante qui va déterminer l'avenir de la France, l'avenir de cette émission, l'avenir de ces téléspectateurs. Alors, cette question est, peut-on séparer? Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est pas sorcier. Nous sommes venus ici, bonjour et bienvenue dans l'émission C'est pas sérieux. Nous sommes venus dans cette belle région du Nord pour étudier la question de l'autorité. Alors, nous sommes venus rencontrer un chercheur, donc un professeur il me semble, qui nous a donné rendez-vous ici sur ce lieu pour nous répondre à des questions super intéressantes. Alors, restez bien sur cette chaîne, il va t'arriver. Oh, il est là, nous allons vous le présenter. Bonjour professeur. Bonjour professeur, c'est l'émission C'est pas sorcier. Monsieur. Alors, moi c'est Fred et vous êtes, présentez-vous un peu professeur aux téléspectateurs. Docteur Hochstatter, je suis chercheur au Centre National de Recherche sur l'autorité et le comportement. D'accord. Alors, nous sommes venus. Professeur, oui. Venez vers moi. Nous sommes venus vous poser une question super intéressante. Donc regardez la caméra s'il vous plaît. La question est, peut-on classer l'autorité en plusieurs catégories? Oui, bien sûr. Oui. Ah, génial. Nous avons fait le déplacement pour un oui. Alors, et toi, Jamy, t'en penses quoi? Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est pas sérieux. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une question très importante de la société, c'est-à-dire l'autorité. L'autorité. Alors nous sommes venus ici avec... On recommence. Oui, bonjour et bienvenue dans l'émission C'est pas sérieux. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une grande question qui est aussi un phénomène de société, c'est l'autorité. Alors pour ça, nous avons eu rendez-vous dans le Nord, cette belle région, là où il y a beaucoup de social. Alors nous sommes venus rencontrer un joli professeur hein, qui va nous aiguiller dans sa recherche de l'autorité. Hein, nous allons lui poser une question très intéressante. Restez sur cette antenne. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Bonjour. L'émission C'est pas sérieux. Alors nous sommes venus, vous pouvez vous présenter. Alors professeur. Alors je suis le professeur Hochstatter. Chercheur au Centre National de Recherche sur l'autorité et les comportements. D'accord. Alors, professeur, on va laisser la voiture passer pour que les téléspectateurs entendent. Alors, professeur, nous sommes venus vous poser une petite question hein, qui questionne toute la France entière sur France 3. La question est, peut-on, s'il vous plaît, professeur, oui. Peut-on classer l'autorité en plusieurs catégories? C'est le fruit de mes recherches. Alors, vous pouvez la classer par l'autorité parentale, l'autorité en général, faite par la police, parlez plus fort, professeur. Par les médias, et bien sûr, l'autorité professionnelle. D'accord. Alors, c'est génial. Merci d'avoir répondu à notre question. Je vais me retourner vers toi, Jamy. Alors, et toi, qu'est-ce que tu penses de l'autorité? Alors, professeur, dites-moi. Oui. Dites-moi, peut-on classer l'autorité en plusieurs catégories? Je vais répéter la question. Alors, peut-on classer l'autorité en plusieurs... J'ai compris. D'accord. Oui, vous pouvez classer d'ailleurs le fruit de mes recherches. Donc, vous pouvez avoir l'autorité parentale, l'autorité en général, faite par la police, par l'État. Vous avez aussi, et c'est le fruit de mon travail, l'autorité parentale. Go. Alors, professeur, une petite question. Oui. Peut-on classer l'autorité en plusieurs catégories? Oui, bien sûr. Vous
Vous avez l'autorité parentale, vous avez l'autorité en général et le fruit de mon travail, de mes recherches, l'autorité professionnelle. D'accord. L'autorité professionnelle. Il me semble que la fin de la vidéo est déjà dans la boîte. Alors, non, professeur, oui. Une petite question. Peut-on classer l'autorité en plusieurs catégories? Oui, bien sûr, il y a trois grandes catégories. Alors, professeur, une petite question. Oui. Peut-on classer l'autorité en plusieurs catégories? Vous pouvez répéter la question. Alors, peut-on classer... Oui, j'ai compris. Ah. Oui, il y a trois grandes catégories. L'autorité parentale. Ah. L'autorité en général. Et le fruit de mon travail, l'autorité professionnelle. L'autorité professionnelle? Mais que voulez dire par là? Un exemple tout simple. Le monde du social, les moniteurs éducateurs, les éducateurs spécialisés, doivent faire preuve d'autorité dans leur travail. Le moniteur éducateur, l'éducateur spécialisé, j'entends bien. Et toi, Javi, qu'est-ce que tu penses de ça?